Mona. Bienvenue à tous. Il est comme ça des gens qui sont tellement habités, tellement ancrés dans leur culture que bien que vivant à des milliers de kilomètres de leur terre d'origine, ne lésinent sur aucun moyen pour non seulement la vivre, mais aussi la promouvoir, la donner à être connue. Nous sommes aujourd'hui à Paris, je l'ai dit, où nous avons rendez-vous avec quelques compatriotes qui comptent au nombre de ceux-là. Ils sont réunis autour de quelques associations créées par leurs leaders charismatiques, dont voici le portrait. Je viens d'une grande chefferie à Baganté, fils de M. Mbo Tchankoui et Mamvwenziki Jeanne, né dans un quartier à Yaoundé, à Mokolo, grandi dans le faubourg de Nobel à Douala, et faire une partie de ma vie à Paris, où on se trouve actuellement. L'on aurait pu s'arrêter à ce niveau. Mais ce serait bâcler un petit peu la présentation de cet artiste, ambassadeur de la culture camerounaise, sur la place parisienne. Ben Zigna, Bertrand Zigna de son véritable patronyme, est l'un des héritiers du génie musical camerounais. Lorsque ce dernier né d'une fratrie nobiliaire de 68, issue de 8 mamans, toute reine de la chefferie traditionnelle Baganté à l'ouest du Cameroun voit le jour à la fin des années 70 à Yaoundé. Personne ne soupçonne alors qu'il baignera dans un flot artistique. Ses tympans très jeunes assaillent les mélodies gracieuses de Anne-Marie Nzié. Papa Saleh John, Pierre Didi Tchakounté, Elvis Kemayo, Moni Bilé et bien d'autres. Et son séjour au quartier Baganté de Douala aiguisera à 14 ans seulement ses envies chorégraphiques et incantatoires au cours des fêtes familiales et autres veillées funéraires. Dès l'âge de 18 ans, les choses se précisent. Ben Zigna intègre son premier groupe appelé Entente de Niobel et esquisse ses premiers pas de danse avant de se faire ramener à Yaoundé. Contrainte familiale oblige. Fier de son séjour niobellois, il monte son propre groupe baptisé Que ça Dieu au quartier Mokolo à Yaoundé et partage avec ses condisciples les géométries de la danse en qualité de maître chorégraphique. La graine de star est repérée et intègre concomitamment la prestigieuse troupe du ballet national, ceci en tant que danseur professionnel polyethnique. Nous sommes en 1998, il fera la même année de nombreuses apparitions sur la télévision nationale dans les émissions de jeunes, où il accompagne en pas de danse et en tempo chorus plusieurs artistes musiciens. Son talent réjouit les cœurs et sa carte de visite prend du volume. Il obtiendra la distinction de meilleur danseur de Benskin au Festival Mendumba à Baganté, avant de prendre la route de Paris en 2001 avec la ferme intention de réaliser de grands projets de musique. Il côtoie ici le sérail du showbiz camerounais et africain, écume quelques scènes lorsque l'occasion lui en est donnée. Et prend d'assaut en 2003 les cages du studio pour accoucher de son premier bébé discographique, baptisé Nyanga Benskin. Le Benskin qui finalement fera l'identité de Ben Zigna. Le choix s'explique. Pourquoi avoir choisi le Benskin? Oui, le Benskin pour moi. J'atteins l'université parce que je suis né dans le Benskin, j'ai grandi dans le Benskin, j'ai été bercé dans le Benskin. J'ai vu mes grands frères, mes grandes sœurs danseurs du Benskin. J'ai vu les Pierre Didi Tchakounté incarner la musique du Benskin. J'ai vu les Talangre Marie, grand renommé. J'ai vu les Elvis Kemayo. J'ai vu les Pierre Tchana dans le Benskin. J'ai vu tout ce grand monument dans le Benskin. Ça m'a beaucoup plu et je me suis aventuré. Moi, Ben Zigna, je demeure dedans, je resterai dedans. Je vais finir ma vie dans le Benskin parce que je suis un amoureux du Benskin.
j'ai été bercé par les grands monuments du Ben Sikin et j'ai copié. Et dans la vie, il faut apprendre à cricher. Et quand tu criches, tu avances. Si tu fais l'orgueil, tu n'avances pas. L'orgueil n'aboutit pas. J'ai appris à imiter mes grands frères, mes grandes sœurs. Je prends l'exemple quand les Tong Chalot jouent en queue, quand les Jean Merlin du quartier Baranté chantaient. Donc, pour les jeunes d'aujourd'hui, il faut apprendre à faire comme les autres. À force de faire comme les autres, on finit par trouver son système. On finit par trouver ses ailes. Donc, j'exhorte encore les jeunes aujourd'hui qui veulent s'aventurer. Aventurez-vous dans le Ben Sikin parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Nous sommes peu dans le Ben Sikin. Il faut faire émerger cette tradition. Cette vieille tradition même que les mamans appelaient autant le meute qui est devenu aujourd'hui le Ben Sikin. Une carrière de Ben Skinner qu'il vit depuis 12 années déjà avec noblesse, dignité et élégance. Ceci dont la multiplication des scènes sur la place parisienne et en dehors avec une coloration typiquement traditionnelle. Bien aidé par cet orchestre monté par lui-même dans le but de promouvoir la culture camerounaise. Ben Zinia, habité par cette envie de donner la visibilité au Cameroun à travers sa culture, a choisi pour principal allié la vie associative. Il fédère à ce jour près de 2 milliers de compatriotes de tous bords et africains au sein de deux associations, lesquelles à chaque fois que l'occasion le permet, donnent à voir autrement le pays des lions indomptables. J'ai deux associations sur la place parisienne. La Génération Noble de Paris, aujourd'hui qui sont une centaine, parce que je les appelle les Chinois, quand ils sont quelque part, une veillée ou bien une sortie officielle, vraiment de Dieu, les gens viennent voir ce qu'on appelle du Ben Sikin, l'original. Il y a la nouvelle génération, NGP, Amour Choisi, sur la place parisienne, qui est incontournable. C'est une association qui regroupe toutes les jeunes qui viennent de tous les horizons. Que tu sois centrafricaine, que tu sois ivoirienne, que tu sois camerounais, nous formons une famille. Et cette famille a une force de frappe ici à Paris. Auréolé du titre de meilleur artiste culturel de la diaspora camerounaise en 2013 au Canal d'Or, Ben Zinia est un homme de culture respecté et adulé par la jeunesse camerounaise établie à Paris. Non pas seulement pour ses œuvres artistiques, mais aussi et surtout pour son côté fédérateur et ses valeurs humaines. Pour moi, c'est un don. Ce don est vraiment naturel. Parce que déjà, mon papa savait déjà rassembler un grand monde envers lui. Ma maman aussi, elle savait rassembler. Moi, c'est un don. Je suis né avec ce don. C'est pour ça aujourd'hui, en quittant du Cameroun, j'ai rassemblé déjà deux associations, Amour Choisi. J'ai rassemblé ici même à Paris, une autre branche, Amour Choisi de Paris. Les gens viennent vers moi parce que déjà je suis très simple. Je ne suis pas un artiste. Les artistes qui se sentent supérieurs aux autres. J'ai une simplicité. Je suis humble. Je prends tout le monde tel que Dieu a créé, parce que je ne peux pas fabriquer un être humain. Que tu sois boiteux, que tu sois aveugle, que tu sois clochard, que tu sois affamé, je rassemble tout ce monde autour de moi pour en faire une famille. Et c'est ça qui fait ma force. Vous voyez aujourd'hui, quand je suis sur une scène avec des grands artistes renommés, je ne sais pas que je chante mieux que cet artiste. Quand je fais un passage, tous ces jeunes viennent m'encourager. Pas parce que ma chanson est la plus belle, pas parce que je sais danser, pas parce que je sais chanter, parce que je sais rassembler ces jeunes. Je sais dire que je suis le père, puisque tous les pays, là où je mets pied, les jeunes viennent vers moi. Ils ont vu mes œuvres. Chez moi, on appelle la chefferie, parce que tous ceux qui sont venus, que ce soit même pas à l'avion, que ce soit pas la route, je les ai accueillis. Pourtant, ici en France, il y a les centres sociaux. Il y a les terres d'asile, d'accueil. Mais j'ai accueilli ces jeunes, je les ai montré le chemin de l'émergence,
le chemin de la prospérité, le chemin de la réussite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la NGP, c'est l'une des meilleures associations des jeunes sur la place parisienne. Je suis vraiment le seul représentant parce que 10 fondateurs, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas qui veut, c'est le qui peut. Parce que déjà, il faut déjà aussi avoir ses propres moyens. Parce que quand un jeune là vient vers toi, il dit « Papa, j'ai faim », il faut déjà avoir un salaire minimum pour pouvoir aussi les aider. Mais je fais le peu, hein. Je ne vais pas au-dessus aussi de mes moyens. Donc, c'est ça qui fait ma force. C'est pour ça que vous voyez dans tous les spectacles, vous voyez, on m'entoure comme des fourmis. Et ces jeunes, je suis leur modèle. Allez-y! Nandé! Allez-y! Est-ce que la génération noble de Paris est là? Est-ce que la présidente Jean-Marie Dadi est présente? Oui, je suis déjà là, mon ami! Oui, je suis déjà là, mon ami! Ça ne sert à rien de faire nos pas de vin. Nous sommes des passagers sur la terre. Ne sois pas jaloux de ton frère. Parce qu'il a de la chance. Tu n'es pas son bon Dieu. Oui, quand je t'aidais, tu étais avec moi. Et quand l'été est fini, tu m'as tourné le dos. Quelle ingratitude! Est-ce qu'il n'y a pas l'ingratitude à Paris? La vie associative constitue un élément clé pour l'émergence et l'épanouissement des immigrés. C'est fort de cela que la NGP a été mise sur pied à Paris par Benzinga. L'objectif étant entre autres de replonger de temps à autre, nostalgie oblige, dans les us et coutumes du pays, bien qu'étant établi à plusieurs milliers de kilomètres plus loin. Fondateur de deux associations qui fédèrent plusieurs milliers de Camerounais à Paris, Benzinga est en deuil. Il a perdu il y a quelques semaines son frère aîné qui pour lui était comme un papa. L'occasion est idoine pour ses alliés et lui de faire une démonstration sur la gestion de ce type d'événement à la Camerounaise. Si je peux lui, je puis faire ce deuil parce que en général à Paris les gens ne font pas des deuils des frères. Mais si j'ai pu faire ces deux, vous n'avez pas compris le pourquoi. Parce que ce frère tenait une place dans ma vie. C'était mon confident. Compatriotes et étrangers sont venus d'un peu partout pour soutenir l'artiste. Mais aussi renouer avec la culture du berceau de nos ancêtres pour certains, ceux-là plus nombreux. Et tout simplement la découvrir pour d'autres. On se croirait du fait des tenues d'association dans une salle de fête de Baganté, Garoua ou encore Limbé. Mais que non, nous sommes bel et bien en plein Paris et après le rituel religieux. Place aux spécificités camerounaises en matière de veillée funeste. La gastronomie d'abord. Le couvert est à permettre aux invités de se délecter des atouts culinaires du Cameroun.
grand fond sonore authentique de la région de l'Ouest Cameroun que la séquence de la remise des contributions se fera. La convivialité est de mise. Suivra un tour symbolique de deuil. Toutes les associations présentes commémorent ici le défunt sur une cadence et des pas bien rythmés. Dernière séquence voudra plus joviale. L'heure est à la démonstration du savoir-faire en matière de danse. Thank you.
champion noble de Paris. Il est petit, mais il est grand. Alors tout Paris s'est levé pour son deuil aujourd'hui. Ensemble avec moi, Madame Gassier, la fille quoi. Parmi tous les bambes, je suis là au présent. C'est le top des tops. Formidable. J'ai jamais vu à Paris. Vraiment, Ben, tu as fait un coup de sein, un coup de maître. C'était top. Tout le monde est rentré satisfait et content. Merci Ben, le temps est bon. Je te remercie beaucoup Ben Zinia, que Dieu te bénisse. Longue vie, la santé, la richesse, tout. La soirée a été un succès. C'est vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais je vais te bénir avant de laisser. Il fallait que je prie pour toi. Je suis extrêmement touché, merci beaucoup. Je viens de passer un moment extraordinaire avec notre frère Ben Zinia et tous les artistes de notre association sont venus à être là. On est très heureux, on a découvert la culture du dé, de Ben Zinia à fond la caisse et vraiment tout se passe bien. On lui souhaite beaucoup de courage pour son voyage au pays. Voilà, c'est ce qui convient d'être appelé solidarité. Ce qui dans la vie associative se doit d'être une réalité aussi bien dans les tristes occasions comme dans le cas précédent, ou dans de bonnes comme celui à suivre. Ben Zinia et sa bande donnent à voir ce jour aux Camerounais de la diaspora et aux curieux étrangers. La cérémonie de voir bébé en plein cœur de Paris. Le voir bébé, comme on l'appelle au Cameroun, est une cérémonie organisée dans le but de célébrer la venue au monde d'un nouveau-né dans la famille. Il s'agit donc d'une sorte de présentation officielle à la communauté, de ce nouveau don de Dieu. C'est sur fond de musique traditionnelle, typiquement camerounaise, qu'elle se fera. Ce qui n'est pas pour déplaire aux nombreux invités expatriés et nationaux présents. Bébés et mamans sont au devant de la scène, assises à communier avec leurs convives. Mais aussi debout de temps en temps pour esquisser quelques pas de danse tout en exhibant leur bébé. Ceci en guise de reconnaissance et pour plus de convivialité. Les airs musicaux sont Benskin, Kalangu, mais aussi Makossa et Bikutsi. C'est le tour du Cameroun en toute sonorité traditionnelle avec Ben Zinia et quelques autres dans le rôle d'animateurs musicaux de la soirée. Let's go.
cette longue et belle séquence réservée à la musique traditionnelle camerounaise. Place à présent à la bénédiction culinaire. Ces sauces gluantes, mesdames et messieurs, de couleur foncée, dans la tradition familiale, ça s'appelle le cuit. Le cuit. Chaque tribu du Cameroun en est un tas. Le menu ce soir consacre le couscous de maïs accompagné de la sauce cuit. Plat qui symbolise la maternité en pays Bamileke. La maman du bébé d'abord, qui dans le cas d'espèce, est originaire du pays Béti. Naissance qui vient de mettre au monde ce précieux bébé. Ah ben voilà. C'est le cœur qu'on va applaudir, chez moi, s'il vous plaît. C'est la bénédiction. Elle vient de rentrer de plein pied dans la culture, dans la tradition Bamileke. Le papa Bamileke ensuite, lui qui croyait être en marge de la cérémonie. Il va manger comme sa compagne. On applaudit très fort. Est-ce que vous avez immortalisé? Vous avez des téléphones portables, des derniers cris. Vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez filmer. Merci, 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 merci. Quelques artistes du CRU viendront parachever cette cérémonie de voir bébé en plein cœur de Paris. Un des événements NGP qui contribue à la promotion de la culture camerounaise hors de ses frontières. Nous sommes en plein marché Mokolo à Yaoundé par un après-midi très ensoleillé, où le trafic a été interrompu le temps de la cérémonie liée aux funérailles du frère aîné à Benzinga, ambassadeur de la culture Grassfield à Paris et fondateur de la NGP. Venu de Paris quelques jours avant, l'artiste et sa suite ont mis les petits plats dans les grands afin que tout se passe dans les conditions idoines. Le moment fort de la cérémonie étant celui consacrant la danse. Ce sera du Benskin, extrait des pures traditions Bamileke et sorti tout droit de la chefferie Bagonté. Représenté par les femmes Massou, le Bagonté, venu soutenir leur présidente, maman du défunt et de l'artiste Benzinga. Vamos!
se fera autour de la maman endeuillée. Occasion de lui faire quelques présents symboliques en guise de condoléances. Se distinguent par leur tenue vestimentaire. On en compte près d'une dizaine. Après Maman Tonga, c'est au tour de Benzinga, son fils, initiateur de l'événement, de jouir des mêmes privilèges. Toujours sur fond d'animation, des femmes Massou, de Baganté et bien d'autres. Si bien rythmé que Benzinga ne se privera pas d'une petite séquence de danse. Il a ça dans le sens, Benzinga. La générosité est aussi ce qui le caractérise le mieux. Démonstration est faite à ses mamans et autres groupes de danse en guise de reconnaissance. Bam 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 b
Décidément, Benzinha a le cœur sur la main, mais aussi la culture dans le sang. Je suis Lewat, je suis membre de l'association Nouvelle Génération de Paris qui représente la jeunesse camerounaise en France. Et cette association a été créée par notre fondateur ici présent, Benzinha, avec qui je suis entourée. Nous sommes à 6000 km du Cameroun et nous devons être en solidarité. Et cette solidarité sur la place parisienne, il n'y a pas d'eux. Le but de cette association, effectivement, selon son idée, c'était de rassembler la jeunesse camerounaise. Mais pas seulement la jeunesse camerounaise, mais aussi les Ivoiriens, les Centrafricains, les Congolais, au fait, tous ceux qui s'intéressent à la culture africaine et camerounaise. Juste pour vous dire, je suis la preuve en personne qui peut vous prouver que à la NGP, ce n'est pas un cercle fermé. Tout simplement parce que je suis de la République centrafricaine. Donc, il n'y a pas que les Camerounais à la NGP. Tout le monde peut venir à la NGP. J'en suis la preuve. Merci. NGP, l'association. Bon, vous basez Paris et bon, on est là pour des bonnes choses. Et les moments actuellement, vous mettez tout bien sur la haine, un mytho, tout ça. Je suis habitué avec le français. Donc, merci beaucoup et vraiment soutenir la NGP. Et j'invite vraiment tous les jeunes de la diaspora qui sont sur la place parisienne, s'ils peuvent donner un peu de leur temps pour assister à la NGP. Donc cette association, c'est une association constituée de jeunes de toutes tribunes. Et je suis fière de faire partie de cette association parce que grâce à elle, ça me permet de sortir, de découvrir le monde. Et de là, j'ai créé une nouvelle famille. Bon, Nabunde Langwana, le Mnyengena, le Mnyengeditana, de le Singa de Bisson. Na presi na be kombuji tanyana u mena leno u di kotele la su u mlata kuma su leno wanano mube mbato jita mube mbato wena ba we u be kombuji tanyana doni kanyabana ndolo le elati biso wanano ndolo pene nyabena otete na su les prêts au Djongwane, Bane, mais c'est la Benyonga Djongwane. Nous peinons, nous teignons, nous Benyongi au point à Bisson. Assis hésiter. Même à mon problème, tu peux être. Ou en aller, tu peux parler. À la nouvelle génération de Paris, il y a la bonne humeur, la bonne ambiance. Vous voyez, tout le monde est content.
à toutes les personnes qui veulent s'adhérer. La porte est grandement ouverte. Que vous soyez en Italie, au Cameroun, à Londres, peu importe, vous êtes la bienvenue à la nouvelle génération de Paris. Voici le fondateur Benzinga. C'est lui qui nous réunit tous les dimanches. C'est grâce à lui que la NGP est sur pied. Et il n'y a pas que la NGP, il y a aussi la génération noble, la grande famille de Paris. Je profite pour saluer Amour Choisi de Yaoundé. Nous sommes là à Paris. Ces deux associations sœurs, quelque chose touche Amour Choisi de Paris, ça a touché Amour Choisi du Cameroun. Jeannot, pas votre odeur.